Leslie! Leslie! Pardon, et Nia, mes chatons, c'est Bacan et Kossan en VOD et heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série de vidéos sur The Evil Within. Désolé, hein, j'avais un petit problème de... Enfin, j'avais un petit problème de boss qui voulait mâchouiller mes chevilles. Et donc, nous voici de retour ici pour essayer de vaincre ce boss. Un peu... Aïe, bon bah c'est bon. Ouf, je suis pas mort. Alors on va prendre quelques instants. Hein. Je peux tanker un de ces coups. J'ai encore un peu de temps avant que le gaz ne soit critique. Et il ne va pas tout de suite venir dans cette pièce. Voilà. C'est une gestion des ressources, hein, de toute façon, le jeu. Utilisez ce qui est à votre disposition pour réussir à passer certaines étapes. J'ai jamais trouvé qu'il avait la tête sur les épaules. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Bon, on recommence, hein. Bon, on va aller plus vite. Non, j'avais complètement oublié que tant qu'il n'avait pas bougé, il ne prenait pas de dégâts. Alors, mon mauvais. Oh bon, je vais pas perdre des munitions simplement parce que le jeu me fait des farces. Je pensais que j'allais me le manger celui-là. Allez, allez, ouf! Bon bah on repart pour un tour. Hein. On va attendre un peu. Rappelons que pour régénérer la santé jusqu'à la barre rouge, il faut ne pas bouger.
J'en ai foutu partout, t'es dégueulasse. J'avais sa peur, ce truc. Alors, bouge. Voilà. J'ai pas dépensé deux. Et donc maintenant, si je me. Si. Voilà. Exactement ça. Ok. Alors, voyons voir ici. C'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Là, je vais pas vraiment chercher à prendre le à prendre l'XP parce que il faut que je profite de ce temps où il revient. Pour manipuler. Et merde. Allez Sébastien, s'il te plaît. Merci. Voilà, bon, maintenant je suis dans la merde. Parce que j'ai plus trop de quoi le... Lâche-moi! Lâche-moi! Voilà. Prends ça! Ah, merci. C'est pas trop tôt. Tout à fait, Sébastien. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Je suppose qu'on peut pas revenir en arrière et qu'on pourra pas prendre d'XP. C'est bien ça. C'est par ici. Bon, bah, il était pas si dur. C'est grave quand même. Dire que j'ai dû passer plus de 40 minutes dessus. Enfin, pas tout à fait, mais... J'ai bien passé une bonne demi-heure, je crois, dessus la dernière fois. Donc quoi, il y a des fois quand vous avez un problème avec un jeu, faites une pause. Faites juste une petite pause, quelques heures, quelques jours. Aérez-vous, jouez à autre chose, faites d'autres trucs. Du moment que vous avez réussi à identifier ce qui vous manquait dans le dans vos tentatives ratées, faites une petite pause. Parce que là, techniquement, j'avais juste le j'avais juste la bonne façon de faire, mais. La première fois, ça a échoué parce que j'avais oublié un détail. Mais...
Non, sérieux. Bien sûr. Et comme il a deux têtes. Voilà, avec lui en moins, je vais peut-être réussir à avoir celui-là de manière subtile. Évidemment. Par contre, ah mais j'ai peut-être plus de... J'ai peut-être plus d'allumettes. C'est vraiment ignoble. Oh bordel de chaque fois pareil. Qu'est-ce que c'est que ça? Par contre, vous n'êtes pas généreux, les gars. Les caisses, elles sont plus généreuses que vous en matière de gel vert. Alors que je me refasse un stock de pièces détachées parce que... Évidemment, j'ai plus de... Je l'aurais eu mauvaise si je l'avais loupé. Deux munitions de pistolet, je dois vous avouer que là je tiens un peu la tronche quand même. Au niveau de mes réserves de munitions, je commence à être un petit peu... Oh, à sec.
Quelle violence. Y'aurait pas moyen de récupérer quelques-uns là des... S'il vous plaît. Ah bah si, là. Ouh. Par contre, s'il vous plaît, là, non. D'accord. Bah, écoutez, j'ai dû lui faire un... J'étais caché dans mon nez. Visiblement, il n'y a pas du tout moyen de les récupérer, ceux-là. Ah, oh, mais là, ce boss-là, il m'a consommé beaucoup de ressources pour rien. Ça va, donc... Hop. Chier. Ou alors ça va se limiter à... Pas envie de prendre de risques. Voilà, par exemple. Dégueulasse. Courbe d'activité cérébrale absurde, observée chez les patients 25 et 33, et aussi chez le 55. L'unique facteur commun est un antécédent de troubles dissociatifs de l'identité. D'autres expériences sur le cortex préfrontal avaient causé une dégradation du sentiment identitaire, mais cette fois les résultats sont sûrs. Les pensées suicidaires des personnalités secondaires deviennent des attaques contre la personnalité principale. Quand la conscience de soi diminue, une forme de stase apparaît. Comme deux créatures siamoises contraintes de vivre ensemble. Dans une haine éternelle de l'autre. Délicieux. Vous êtes un psychopathe, monsieur. Je sens que si je... Je sens que s'il y en a encore, ils vont venir me saouler quand je vais ouvrir la porte. Je suis à la recherche de toute ressource qui pourrait m'être utile. Parce que là, ça devient critique. J'ai regardé un truc. Ouais, j'ai encore une trousse de premiers soins.
Oui, puisque je projetais de l'utiliser. Je projetais de l'utiliser contre le boss et j'ai finalement réussi à pas le faire. Grâce à, je dois bien l'avouer, un bon coup de chance qu'il n'y ait pas un deuxième tir qui connecte, une deuxième frappe qui connecte. C'est un peu celui qui est le plus puissant et dont il me reste le plus de munitions, à part le fusil à pompe. Donc évidemment, au moins on est tranquille. Je suis désolé, c'est un. Ça doit peut-être gêner certains. Moi-même, je trouve ça. Un petit peu dégoûtant, mais bon. Ce jeu n'est pas spécialement connu pour être agréable à l'œil non plus. Oh, chaud. Moi, toute ressource qu'on me donne, je suis heureux à ce stade, hein. Je vais pas faire le difficile. Alors, il y a un piège ici. Note de la grotte. Je suis allé trop loin et c'était un piège, bien évidemment. Sophia a tout fait pour m'arrêter, mais se rapprocher de la vérité était trop tentant. Je savais que ce ne serait pas facile, mais j'étais si proche. J'ai remarqué qu'un infime courant d'air passe par la fissure de cette porte. Elle mène forcément vers l'extérieur. Fragment de bas-relief que j'ai trouvé semble tenir dans l'emplacement. Il sert visiblement de clé, mais dans quel sens le mettre? J'ai une chance sur deux. Et je fais les 100 pas depuis tout à l'heure, incapable de faire ce choix pourtant si simple. Sophia, si j'arrive à sortir d'ici, je te serrerai dans mes bras. Je dirais que tu avais raison et je ne te quitterai plus jamais. Bas-relief ensanglanté. Cet étrange bas-relief arbore un visage gravé sur chacune de ses faces, mais l'une d'elles est maculée de sang. M'arrangerait qu'on ait un petit indice quelque part. Ouh. Bien évidemment. Alors oui, la face maculée de sang, on peut se dire que puisqu'elle est maculée de sang, c'est elle qui était à l'extérieur quand le piège s'est déclenché et qu'il est tombé du truc, mais. C'était ça. Mec, il casse des tonneaux à main nue.
fragments de cartes. J'en ai loupé tellement que, au point où j'en suis, en trouver un, je suis pas. Je me souviens plus si on le revoit, le mec du Texas. Doc. Doc, qu'est-ce qui se passe ici? Pas maintenant. Je dois trouver le moyen d'inverser cela si nous voulons l'arrêter. Qui ça? Ce Ruvik? Mais qui c'est ce type? Désolé, je dois me concentrer. C'est dans votre intérêt de me dire ce qui se passe, Doc. Vous avez besoin de moi. Nous travaillons sur une méthode. Comment expliquer cela? Comme pour interconnecter les cerveaux. Un partage total au niveau électrochimique. Émotion, mémoire, perception, mais bien plus. Instantanément. C'est révolutionnaire. Les implications psychologiques, pharmaceutiques, et sur la conscience elle-même. Mais vous délirez. C'est un cauchemar, ouais. Je n'ai jamais dit que c'était parfait. En particulier avec un hôte aussi instable. Génial. Donc votre associé est un psychopathe. Et on est tous dans sa tête. Pas tout à fait, non. Nous y contribuons tous à notre manière. Mais il est le seul à disposer d'une influence consciente. Vous le connaissez bien. Qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, ce n'est qu'une théorie, mais... je dirais qu'il veut notre mort. Je me souviens bien, il veut surtout un nouveau corps. Les cartons ne sont pas à casser. Note du centre de recherche. Sujet numéro 18. Connexion établie. Début de la procédure. 2h45. Activité cérébrale anormale. 2h58. Arrêt cardiaque. Réanimation impossible. Sujet numéro 19. Connexion établie. Début de la procédure. 1h24. Activité cérébrale anormale détectée. 1h48. Arrêt cardiaque. Réanimation impossible. Sujet numéro 20. Connexion établie. Début de la procédure. 1h43. Activité cérébrale anormale détectée. 1h52. Arrêt cardiaque. Réanimation impossible. Sujet numéro 21. Connexion établie. Début de la procédure. 2h09. Activité cérébrale anormale détectée. Arrêt cardiaque. 2h14. Arrêt cardiaque. Réanimation impossible. Sujet numéro 22. Connexion établie. Début de la procédure. 1h02. Activité cérébrale anormale détectée. 1h32. Arrêt cardiaque. Réanimation impossible. Sujet numéro 23. Connexion établie. Début de la procédure. 3h31. Activité cérébrale anormale détectée. Ou respiration, tension et température en hausse. 4h24, reprise de conscience. 4h37, stabilisation des fonctions vitales. Enfin. Journal de Sébastien Castellanos, 7 juin 2009. Nous avons déposé à Lily à l'école maternelle ce matin. C'est sa première rentrée. Elle est courageuse, tout ira bien pour elle. Mira, bénie soit-elle, a connu 3 années difficiles. Un bébé, c'est un travail à temps plein, et elle va enfin profiter de vacances bien méritées. Je veux dire par là qu'elle revient aux personnes disparues du KCPD. Il semblerait que le nombre de disparitions soit en augmentation. À moins de résoudre rapidement ce mystère, il ne restera plus personne pour s'en charger. Tout le monde aura disparu. J'en rajoute, bien sûr. Quelque chose se trame à Crimson City. Et Mira va s'en charger. Elle excelle dans son travail et est enchantée de retrouver son élément. 3 ans. Donc, pour des policiers, ils avaient... Ah!
Mais... Alors c'est sympa de s'arrêter comme ça. C'est bien, ça nous prévient pas, et puis le personnage s'arrête tout d'un coup, super. Ça peut toujours m'être utile dans la phase qui va suivre. Non, Sébastien, c'est pas le moment de regarder derrière. Commence à envahir ton safe space. C'est là que tu vois que t'es dans la merde. Pourvu que Tatiana aille bien. Bien. Super les gars, prenez-vous avec des torches dans un champ avec des trucs qui peuvent brûler. Castellanos ? Inspecteur Castellanos. Ces souvenirs, ce ne sont pas les miens. Sébastien doit être stoïcien. Parce que je pense que vous et moi, on aurait dit plus. Dans votre sommeil, vous avez fait un cauchemar. Je pense que vous et moi, on aurait fait plus que dire ouille. Oh non, pas par là. Non. Lâchez-moi, 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 lâchez-moi. Rick, je suis guillé. Évitez de perturber les autres, je vous prie. C'est pas bien d'essayer de discuter avec ces autres personnalités, Monsieur Castellanos, quoi. Vous n'avez pas bonne mine. Andek. Tatiana, ma chère. Les souvenirs sont très fugaces. Les souvenirs peuvent être facilement pervertis par les autres. C'est pourquoi il faut en prendre soin. Donc là, Ruvik et sa sœur. Avec la mère et le padre. Il est vraiment obligé de s'incruster partout et de nous... Tatiana, il y a comme un problème avec l'électricité. Vous avez vu un fantôme, on dirait. Oh, encore ça va, c'est... le plus bizarre qui me soit arrivé aujourd'hui. Allons voir un peu ce qu'on peut faire avec notre personnage. Quand même, maintenant, il est plutôt flex avec ça. Du temps de sprint, ça pourrait être... corps à corps bof, efficacité des seringues, excusez-moi. C'est pas non plus... jauge de vie, je ne peux pas. Au niveau des armes,
Faudrait que je me mette des multiplicateurs de dégâts. La portée, c'est pas trop un problème pour l'agonie, mais... La portée, le rechargement, c'est pas trop un problème. L'armement, par contre, à deux, il est bien, je trouve. Je pourrais peut-être avoir besoin. Combien ça coûte pour les seringues? 2500. Au niveau de l'agonie. Ouais, les carreaux explosifs qui font un peu plus de dégâts, ça pourrait être bien. Carreaux aveuglants, je les utilise pas assez, mais j'ai peur qu'il y ait pas suffisamment d'ennemis qui me permettent d'en profiter en ce moment. Vraiment, pour moi, les carreaux les plus utiles, c'est l'explosif et le harponneur. Et après, 4500, c'est un peu rush. Quand il y a une récompense à la clé, comme pour le harponneur, là vous voyez 240% plus, c'est-à-dire qu'il fait 240% de ses dégâts et qu'en plus il a des dégâts enflammés. Ça peut être intéressant, mais là c'est juste une augmentation plate des dégâts, j'ai l'impression. Là, je pense que l'agonie dans son état actuel elle est pas mal. Il me faudrait peut-être une augmentation des dégâts sur le pistolet, je pense. C'est une arme qu'on utilise quand même assez régulièrement. Et peut-être un petit peu sur le pompe. Je pense que je vais faire ça. À partir de maintenant, ce sera dégâts pistolet fusil à pompe. Et éventuellement une augmentation de la capacité des munitions, mais ça c'est pas non plus. Non Tatiana, c'est pas gentil. Je vais aller voir les coffres, s'il te plaît. Même. Je comprends pas pourquoi on peut passer par là et pas par là. Donc au niveau du fusil à pompe, ouais voilà c'est ça. Et que je recharge. Oh, des carreaux harponneurs, ça c'est bon ça. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout ce qu'il me faut là. Beaucoup de munitions de fusil à pompe, il faudrait peut-être que je pense à l'utiliser. Voilà. Combien j'ai de pièces détachées là? Une seule. La nouvelle déco est assez arrière-garde, est assez vieille garde. Mon Dieu, on est dans Undertale. Ah.
pense qu'à un moment il faudra que j'augmente le sprint un peu quand même. Parce que ça... Tiens, ça me dit quelque chose. Je suis jamais venu ici, mais... Tu veux voir des photos ? Oui, alors, encore une fois, je suis désolé, on va faire le tour et ratisser tout ce qu'on peut. Hein. Ah, c'est dommage, il n'y en a qu'une, c'est pas non plus un drame. Ah oui, je prends. Thank you. Je pense qu'il y a plus grand chose d'intéressant ici. Non, c'est ça. Ah, bon. À mon avis, il va rien y avoir là-dedans, mais... Tu devins des fois. Ce n'est que 500, mais c'est déjà 500. Je sais pas, je crois qu'il va y avoir un problème avec la sœur. Quoi encore ? Non, je vais garder ça vraiment au cas où. Bon, il y a deux seringues. Je peux bien en prendre une pour essayer de... Oh oui. Il y a un carreau en pâleur là, je crois. Même il a l'air d'y en avoir deux. On a une grenade, c'est cool. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Note de la salle de musique du manoir. Deux mondes séparés par un abîme irrégulier. Au-dessus, des spectateurs anonymes rient de la tragédie. En dessous, des victimes impuissantes perdent tout. Oui, ou... Ouais.
Comme je me suis arrêté à rien d'être dans le beau drap. Ça peut toujours servir, ça. Mais curieux là par contre. Bon, il vient de sortir de sa pièce. Elle est retournée dans sa pièce ou... J'aimerais bien qu'elle me suive. Voilà, parce que là, vu que c'est la première fois qu'elle va me capter ici, elle va pas forcément penser à check dans le... J'arrive à... Et merde. Allez, 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 merci. Donc là, il n'y a rien là-dedans. Ouais, quand même. Ouais, mais elle m'avait enlevé la totalité de la seringue que je m'étais mis tout à l'heure. Ah ouais, quand même. Je me disais, vu que j'ai l'habitude de me laisser à cette vie-là, que j'avais juste... j'avais juste perdu... Enfin, qu'elle m'avait pas fait perdre de vie, ce qui m'étonnait. Non, je comprends mieux, elle m'a fait perdre... Ouais, d'accord. Juste un pied de colonne. Ah, par contre, attendez. Ah bah oui, tiens, là. J'avais pas vu. J'avais pas réalisé. Coupure de presse du Crimson Post. Un enfant et sa nounou, victime d'un incendie tragique à Crimson City le 11 février 2012. Malgré l'arrivée rapide du KCFD et leurs efforts acharnés, un incendie brutal et dévastateur a coûté la vie à une fillette et sa nourrice hier après-midi à Crimson City, dans les environs de Park Ridge.
Lily Castellanos, 5 ans, et sa nourrice Juanita Flores, 56 ans, n'ont pas pu échapper à la fumée et aux flammes qui ont rapidement carbonisé le pavillon. Les parents de Lily, tous deux inspecteurs du KCPD, se sont précipités sur les lieux mais n'ont rien pu faire pour porter secours à leur fille. Les pompiers ont mis plusieurs heures à maîtriser l'incendie qui a entièrement dévasté les lieux. Ces causes font toujours l'objet d'une enquête, mais les premières investigations semblent privilégier la thèse d'une défaillance électrique. La suite en page 8, incendie. Bon. Eh ben écoutez, on va en profiter. Donc... Je le savais. Évidemment, c'est ce qui se passe à chaque fois. Si, c'est ce que je fais, mais... Alors, viens voir. Corps retrouvés. Des corps retrouvés près du domaine. Leur identification pourrait prendre des semaines. Quatre corps mutilés ont été retrouvés à proximité du domaine Victoriano. Les cadavres ont subi plusieurs opérations chirurgicales rudimentaires. Avec un magnifique tableau qui... Disparu. Ruben Victoriano. Le fils bien-aimé de la riche famille Victoriano n'a pas été revu depuis l'incendie ayant touché le domaine familial. Donc, eh ben écoutez, mes chatons, on va se laisser ici. Donc, je vous fais à tous les chouilles sur le museau. Je vous remercie d'être resté jusque-là et j'espère vous revoir tous très bientôt pour un prochain épisode. Et surtout, en bonne santé. Allez, ciao tout le monde.